Since 1924, Ekelin has set the standard for international education with an approach that values creativity and human expression in all their forms and the central role they play in learning. In the primary school at Châtaigneraie, I work in close conjunction with the class teachers. We have different units of inquiry that run throughout the year, and I try very hard to link into their units of inquiry. So the children are not only thinking about concepts that they're studying in class with their class teacher and in mathematics and in languages, but they're also thinking about it in art. I believe that every child has the right to be given a space to practice art, to be given a platform to exercise that freedom of expression. Tous les enfants du monde, à partir de 2 ans, 3 ans, dessinent de la même manière. Ils ont un gribouillage fondamental. Donc on n'est pas encore dans l'apprentissage d'une technique. Et c'est au fur et à mesure que l'enfant grandit qu'il commence à se préciser dans sa vision, dans sa compréhension du monde. Et en même temps, son dessin se précise d'une certaine manière. From a very early age, it was my favorite subject, art. And so doing it at school, in a school environment, was really ideal for me to progress and to do what I enjoy the most. L'objectif en travaillant avec un enfant, c'est de lui mettre dans la position de comprendre ces éléments techniques qu'il a la possibilité d'utiliser ailleurs dans son domaine, dans ce domaine scolaire, et qu'il a la possibilité fondamentalement de pouvoir utiliser dans la vie. Donc de donner des clés de réflexion et de lecture de la vie pour qu'il puisse accéder à un domaine qui lui permet de comprendre l'universalité de sa réalité. So it's interesting to use a different aspect of your brain, think differently for a while and just express yourself in an outlet. J'ai toujours été en système d'école internationale. Je crois qu'en tant que personne, elle m'a formée à être plus ouverte d'esprit, à toujours vouloir chercher plus loin, de ne pas me contenter de ce qui m'est donné, de toujours vouloir étendre mes connaissances et d'aller le plus loin possible. My time at Ekelin kind of taught me how to think independently and critically and not necessarily go with my first initial idea, but work on it and develop it independently until I have a product that I'm finally eventually happy with. Art was always implemented in our studies. We'd have at least an hour a week where we could, since the age of fourth grade, be doing pottery and be doing many different projects to help our learning. This shaped and helped my visual learning. I'm a visual learner, and I think that through art, the school has always supported with facilities and good teachers to show us how to express ourselves in different forms, whether it's creative writing in English or actual projects in art class. Donc, ils créent des liens avec d'autres matières qu'ils étudient, et je pense que de ce côté, le développement est absolument incroyable. C'est un pouvoir de comprendre les choses qu'on voit et aussi les pouvoirs de montrer ces choses. Donc, au fait, ce que nous essayons de faire en réalité, c'est de donner les élèves la pleine conscience, la capacité de réfléchir sur le monde, sur ce qui les entoure, et en même temps leur propre implication dans ce monde. I think it's important for the children to observe the world around them, the natural environment and the built environment, particularly at the moment with so many changes and so many problems in the world. If you don't actually notice what's around you, it's very, very difficult to even be aware of it, never mind actually change what's happening around them. The arts are vital for us to thrive in, adapt to, and shape the world we share. Transcending borders, barriers, and languages, they serve as a bridge to connect humanity. It's expressing the hopes, dreams, and fears of the everyday person, and sort of giving something that people can relate to. Nous insistons aussi sur la notion de collaboration, qui est très 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 important, parce que la collaboration, c'est l'interaction avec les outils que l'élève utilise, l'interaction de l'élève avec ses camarades, et fondamentalement aussi l'interaction de l'élève avec le monde. Enseigner la créativité est un atout pour faire face aux défis de demain. On apprend d'abord à comprendre ce qu'on a autour de nous. Il faut faire la synthèse le mieux possible pour mettre tout ça dans un cadre. Et c'est ces cadres-là qu'on cherche et qu'on montre. À travers l'expression technique, on peut exprimer l'amour, on peut exprimer la sincérité et on peut exprimer son désir aussi de collaboration avec les autres. Et nous insistons fondamentalement sur ces choses-là. Ici, l'étude de l'art est vraiment sans frontières. On a vraiment la liberté de s'exprimer comme on veut.
and by impressing in each and every student an education for peace and the values of inclusiveness, respect, and intercultural understanding, we believe that every child is also an ambassador for humanity. I think every single thing or every little detail in a person shapes them to who they are. I like to take this and try to see if I can play around with it. J'essaie de montrer les différents côtés des personnes, leurs différences et leur réalité. Well, personally, I'm interested in architecture, so I wanted to expand my technique and develop my creativity through the use of different media. I'm very interested in three-dimensional art, so we do sculpture, both out of clay and out of different sorts of materials, including papier-mâché. Les paysages, les brumes, les paysages enneigés, les sons que l'on peut démontrer dans une peinture, simplement en utilisant les couleurs qu'il faut, c'est ce qui me motive en tant qu'artiste. Ma création plastique nourrit mon enseignement artistique. Et tous ces éléments-là constituent, je veux dire, la nourriture qui nous permet de donner aux enfants la possibilité d'accéder davantage dans ce monde de l'art. There's always a demonstration to do to show the students a new technique for them to master, new techniques for me to master. So I very much consider myself a learner beside them. So there's always more to learn throughout your life. Mes élèves m'apportent énormément, m'enrichissent énormément. Leur imagination, créativité, dynamisme, leur vie est fantastique. Il n'y a pas une classe comme une autre, pas un étudiant comme un autre. Chaque année est différente. Notre compréhension de l'histoire de l'art n'est pas focalisée sur des valeurs uniquement occidentales, mais s'ouvre à des pratiques, des fois traditionnelles, et contemporaines de différentes cultures et qui proviennent des quatre coins du monde. I'm particularly interested in using art artists' work with the children. I think this is an area that's very, very inspiring for them, helping them to understand why different artists have done their work and how they've done their work. As an artist, especially, I have progressed so much because the teachers and the art facilities are really the highest level you can get in a school environment. Whether studied as part of the curriculum, taken as an extracurricular activity, or practiced as an everyday passion, visual art is one of the cornerstones of an education at Ecolent.